Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission de Touche-à-Tout aujourd'hui, en première partie, j'ai le plaisir de recevoir la nouvelle directrice de l'organisme qui s'appelle Le Berceau. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Caroanne Champagne. Bonjour. Alors, tes nouvelles, je dis nouvelle directrice, oui. Là, depuis combien de temps, là? Depuis le 8 septembre, en fait, que je suis intervenante responsable du berceau, ici. Bon, alors là, on est rendu quoi? On est à la mi-novembre? Oui. Donc, ça fait pas longtemps. Non. Je vais faire attention de pas poser des questions trop piégeantes, là. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu travaillais avant dans ce domaine-là, ou...? Oui, j'ai déjà touché à différentes clientèles, qu'on peut dire, là. J'ai travaillé avec les jeunes enfants, puis des adultes aussi en santé mentale pour le CLSC et pour la commission scolaire. Donc, Bon, OK. C'est alors... différent, mais c'est pas nouveau. Oui, mais ça a des connotations, là. Oui, exact. Bien... Juste pour le plaisir des téléspectateurs, rappelle-nous, c'est quoi le berceau? Le berceau, en fait, c'est un organisme communautaire qui offre des services aux mamans de 25 ans et moins qui sont en situation de grossesse ou post-grossesse, en fait, là, post-natal. On va venir les outiller, les supporter dans leur nouvelle réalité, que ce soit par du soutien individuel, des rencontres de groupe, des rencontres thématiques. Ça peut être du coup matériel aussi. On reçoit des dons. Présentement, c'est très important aussi de nous appeler avant de décider de faire un don parce que... Oui, alors quel numéro? Au 418 oui. 334 334 9306. 9306. Oui, c'est ça. OK. Alors, Luc va se faire un plaisir de le mettre, là, 418-334-9306, ça, c'est le numéro du berceau. Du berceau, exactement. Okay. On offre aussi, après la naissance des bébés, on appelle ça le répit-bouffe-naissance, on offre des repas aux mamans, trois repas familiales pour les aider, là, dans la semaine qui suit leur, leur accouchement. Ça l'aide, c'est oui. Un petit coup de pouce. Oui, parce que maintenant, l'accouchement, puis ils mettent la maman dehors avec le bébé dans rapidement. Les heures qui suivent. Oui, rapidement. Donc, c'est un bon coup de pouce pour elle. Pendant la grossesse, on offre aussi le moulage de bedaine qu'on appelle. Ah, le souvenir. Oui, le souvenir. Là, on va mouler la bedaine avec du plâtre, puis la maman va pouvoir repartir avec sa bedaine en plâtre avant d'accoucher. Puis après, elle va voir à quoi elle ressemblait après. Puis ensuite de ça, on a beaucoup de services. Présentement, on est en train d'offrir aussi le service de portage avec les écharpes pour porter les bébés sur nous avec différentes méthodes qu'on va enseigner aux mamans. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Je vois votre visage d'interrogation. Non, je sais c'est quoi ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on a différentes écharpes qu'on va louer aux mamans, puis c'est à faible coût, là, en fait, c'est juste pour comme couvrir le nettoyage. Puis c'est ça, les mamans vont apprendre à faire des nœuds pour porter les bébés, là. Donc on est formés pour ça présentement. Là. Mais quand on dit que c'est pour les jeunes mamans de moins de 25 ans, là, c'est pas des jeunes mamans dans le besoin ou dans la misère, là. Pas nécessairement. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour de tout moins le monde. De 25 ans. Exactement, okay. C'est ça. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'en bas de 25 ans, on n'a pas toujours plein d'amis qui ont des enfants ou souvent, on est les premières à avoir des enfants aussi dans la famille parce qu'on est jeune puis on sait ça, on est les plus vieilles de famille à ce moment-là puis on n'a pas de personne dans notre entourage qui a des enfants. Fait qu'on vient chercher un soutien, on vient chercher c'est de ça. L'aide. Enlever le stress de dire moi, ce bébé-là, je vais en faire quoi? Là, oui, exactement. Puis chaque intervenante, on est tous des mamans. Donc, on a tous passé par là. Mon bébé pleure, il n'arrête pas de pleurer, qu'est-ce que je fais? Bien, on peut conseiller, aider la maman à trouver une solution. Puis surtout aussi, les mamans viennent au berceau pour aller se chercher un réseau d'amis qui vivent la même chose qu'elles. Ça leur fait du bien aussi là, de voir d'autres mamans qui ont la même âge, qui ont d'autres enfants. Puis c'est comme une petite famille. Hein? Les filles arrivent ici, puis les bébés se côtoient, les enfants se côtoient, elles peuvent parler ensemble, avoir un petit répit, parce qu'on a une halte garderie aussi là, ouais. Pendant nos rencontres de groupe. Là. Donc, ça fait du bien. Bien, je vais te dire, moi, je fais de l'aquaforme depuis 15 ans. Et je faisais de l'aquaforme au cégep de Thetford. Et il y avait une des journées où je faisais de l'aquaforme, c'était en même temps que les jeunes mères qui venaient faire des exercices avec les bébés. Et on les voyait se promener alentour du cégep. Ils contournaient le cégep, là, c'était une marche, avec le beau gros carrosse, là, le beau pousse-pousse, ou en tout cas.
Et c'était, ça criait, ça parlait. Ça... Alors là, je C'est une vois que bonne c'est la même dynamique. chose. Oui, il y Oui. avait une belle dynamique. C'était tellement le fun de voir Oui. ces jeunes mères de famille passer. Puis ça faisait partie de leur, des exercices, là. Puis je les voyais souvent au cégep, là, faire Oui, ça. ben justement, on offre ça aussi, Ah bon? l'aqua bébé. En fait, on appelle ça les petites crevettes. Je trouve Ah ça oui! cute. C'est ça, on offre l'aqua bébé. Là, présentement, on est en arrêt, là, mais éventuellement, on va reprendre des sessions là, d'aquaforme pour maman et bébé. OK. Alors, quand tu dis on est en arrêt, ça m'ouvre une porte pour te demander, Oui. à cause de la COVID, est-ce que Certainement. vous autres aussi, vos activités sont, disons, restreintes, suspendues? C'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité, puis ça nous apporte toujours à réorganiser nos services, se réinventer aussi. Je sais que ce printemps, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été créées, qui ont été réinventées par toute l'équipe du berceau pour continuer de donner les services, parce qu'on est quand même un service qui est essentiel, parce qu'on va venir supporter parfois aussi les mamans quand ils en ont besoin aussi, ils ont besoin de parler. Fait que c'est Oui. vraiment un service qui est important de garder. Puis, ben c'est ça, on se réinvente. Hein. Présentement, nous, notre meilleur outil, c'est ça, c'est les plateformes web comme Zoom, Ah. le téléphone, message texte, Messenger, Facebook. On peut faire des rencontres individuelles tout en respectant les mesures sanitaire de la santé publique. Mais présentement, les rencontres de groupe sont... Tu sais, on peut continuer à en faire, mais nous, notre local n'est pas si grand, fait que c'est vraiment plus restreint. Mais on se réinvente, on se réinvente. On Oui. réussit à trouver une solution, puis on continue dans nos services comme ça, là. Parce que le berceau, faut le dire, vous êtes logé ici même au centre communautaire. Oui. Donc, ça veut dire que les gens qui veulent venir te rencontrer doivent prendre rendez-vous parce que la porte est toujours barrée Exactement, maintenant, là. c'est ça. Moi, je dis toujours à mes mamans qui veulent venir me voir, autant pour des rendez-vous ou venir dans le coup de pouce matériel, là, fouiller dans les bacs de vêtements, de m'appeler quand ils arrivent à la porte, de prendre rendez-vous. C'est un peu plus structuré parce qu'avant, les mamans pouvaient arriver n'importe quand au berceau, venir s'asseoir, prendre un café, jaser avec nous. Là, c'est un petit peu plus compliqué. La dynamique est différente, mais c'est toujours aussi plaisant, là. Un coup que le rendez-vous est pris, que la maman arrive, là, c'est aussi chaleureux, là. Oui, ici au centre communautaire, on est obligé de suivre les consignes. Exactement, Et oui. là, la porte est toujours barrée. Barré, oui. Et les intervenants doivent, eux autres même, comme toi, si tu as un rendez-vous de quelqu'un à 9h30, ben à 9h30, tu es à la porte pour lui ouvrir la porte. Exactement, Hein? oui. Surtout que nous, on est situé au troisième étage, Alors, il donc faut. je Oui. les vois pas arriver. Non, c'est J'ai pas ça. le choix de savoir, là. Oui. Donc le téléphone est très utile, Oui. là. Puis les mamans ont commencé aussi à s'habituer, là, de nous appeler, de dire, OK, je suis en avant, je suis en arrière, Ah oui, je OK. suis arrivée. Oui, parce Oui. que c'est très important, parce que les consignes et puis le port du masque lorsqu'on se déplace, même Lavage des ici, hein, regarde, mains. on est à 2 mètres, là, nous Oui, aussi, la nouvelle la réalité. nouvelle réalité. Et puis quand on va se déplacer tout à l'heure, moi, je vais remettre mon masque. On n'a pas le Exact. choix, tu es arrivé C'est avec ton ça. masque, Oui, toi, c'est ça, on n'a pas le choix. et Luc, nettoyer la table avant, puis il va la nettoyer Après, après. c'est la même chose pour nous, en fait, là. Oui, hein? C'est sécuritaire. Nous, on a vraiment des consignes strictes aussi, là. Lavage des mains, on porte le masque. Quand on est en présence des enfants, on doit porter la visière aussi. Donc, c'est très sécuritaire, là, pour les mamans qui sont enceintes ou les mamans qui viennent avec leurs enfants, là. On respecte vraiment les consignes, la distanciation. Donc, tout est sécuritaire, là. Il n'y a pas de crainte à avoir, là, Ouais. de notre côté, là. Tantôt, tu parlais que vous recevez des dons. Oui. Mais si je me souviens bien, les services que vous offrez sont gratuits, hein? Oui, tout est gratuit. Tout est Donc, si gratuit. vous est-ce que vous avez seulement des dons ou vous avez des organismes qui vous aident aussi pour boucler le budget à un moment donné, là? Ben, on a des subventions. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on a Centraide, le gouvernement et tout, là, qui a des subventions qui sont Comme données. le ministère de la Famille Au ou quelque ministère de la chose du Famille genre, oui. aussi, qui offre un programme. Présentement, le ministère de la Famille nous a octroyé un budget pour avoir un projet qui pilote cette année. On ouvre 2 soirs par mois.
Donc, généralement, c'est le lundi soir. Nous, on l'inscrit sur notre page Facebook, qu'on appelle ça le petit plus du soir. On est ouvert de 5h30 à 19h30, en fait, là. Donc, nous, on est ouvert deux soirs par mois. Où est-ce que les mamans peuvent venir obtenir les mêmes services que dans le jour? C'est juste qu'il y a des mamans qui ont la réalité où est-ce qu'elles travaillent. Donc, à ce moment-là, ça leur offre une possibilité de venir au berceau plus facilement. Là. OK. Mm. Puis là, tu as parlé de Facebook. Donc, si on veut, on va aller sur le site. Est-ce que, comment ça s'appelle? On marque le berceau, tout simplement? Le berceau de Thetford Mines. Le berceau de Thetford. Oui, okay. C'est ça exactement, sur Facebook. Puis, vous allez nous trouver facilement. Là. OK. Parce que, juste un peu avant le début de l'enregistrement d'émission, tu me disais que le berceau de Thetford, c'est une entité de trois, là. Oui. On part de Saint-Georges. Oui, on a trois berceaux, en fait. On a celui de Saint-Georges, où on a la coordonnatrice, Mme Tania Poulain, et l'intervenante, Mme Chantal Simard. Puis, on a un berceau aussi à Sainte-Marie, où est-ce qu'il y a une autre coordonnatrice qui s'appelle Mme Catherine Rouleau et une intervenante qui s'appelle Caroline Charron. Puis, en fait, c'est ça, on a trois berceaux là, qui desserrent un peu toutes les MRC, là, justement, pour qu'on puisse englober la Chaudière-Appalaches pas mal au complet. Oui, dans ce coin-ci. On a des bons territoires qu'on dessert. Mais toi, ici, à Thetford, tu es seule? Oui, je suis seule, moi, pour l'instant, oui. Parce que je sais qu'ils ont déjà été deux, mais pour l'instant, là, c'est ça, je suis seule. Quand j'aurai trop de travail, on sera deux. Oui, ben, justement, ça m'amène à te demander, c'est vrai que là, on est en période de confinement, de pandémie, tout ça, mais il y a combien, tu as combien de moments à... des fois, là, ça peut jouer dans combien, là? Présentement, j'en ai un petit peu plus qu'une quarantaine. Ah oui, tant que oui, ça? Oui, mais ils viennent pas tout le temps en même temps non plus, là. Mais, tu sais, c'est ça, je chôme pas, pas. Non, ça roule, je vois pas mes semaines passées, là. Je vois vraiment pas mes semaines passées, là. Ça va très vite, là, mais je suis très occupée, j'aime ça comme ça. Mais, je veux dire, je trouve que c'est une belle activité, un bel organisme. Puis la naissance d'un enfant, c'est toujours un événement heureux. Donc, oui. Tu dois travailler dans la joie, toi. Toujours. Je suis maman également, puis on revit un petit peu nos épisodes. Ah, il me semble que moi aussi, j'ai déjà eu une bédaine de femme enceinte. Puis l'accouchement, j'ai accompagné une maman justement la semaine passée pour son moulage de bédaine. Puis elle était supposée accoucher aujourd'hui, mais finalement, son travail a commencé avant, puis elle a accouché la fin de semaine passée. Puis c'est ça, c'est merveilleux, là. Ouais. C'est frénétique. Alors là, la maman qui dit, moi, oui. Mon enfant, là, il pleure la nuit tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, il y a un petit peu de stress, oui. Mais ça, il faut dédramatiser ça. Là. Oui, c'est ça. Puis nous, on est vraiment en situation d'écoute pour la maman. Nous, on n'ira pas dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas notre rôle. Nous, on va écouter la maman, on va la pister sur des solutions, on va l'aider à trouver des solutions aussi par rapport à ce qu'elle vit. Puis on peut les référer aussi si on voit que c'est médical ou que, on doit aller vers autre professionnels, on va les référer à ce moment-là là, vers d'autres outils, là, d'autres professionnels qui peuvent les aider. Bien, merci beaucoup, Caroanne. Bien, merci. La nouvelle directrice du Berceau. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu souvent à mon émission, soit comme représentant de la CEF ou encore comme directeur de la Corporation de développement communautaire. Mais aujourd'hui, je le reçois comme directeur général de la municipalité de Saint-Julien, Martin Cloutier. Bonjour Martin. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon. Toi aussi? Oui. Ça fait combien de mois que t'es rendu directeur de la ville? 15, 16, une quinzaine de mois, oui. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Alors là, on est en novembre. Ouais. Ah bon? Ouais. T'aimes ça? Ah oui. Bon. Oui, j'aime ça. Alors, t'as quitté la corporation pour t'en aller? Oui, c'est ça. Être directeur de la ville où tu demeures. Ben oui, de ben toute oui. Façon. Et tu dois aller travailler à pied, toi, avec ben la maison que je connais. Là. Oui, c'est ça. C'est à peu près 500 mètres du travail. Fait que j'y vais à pied le matin et soir. Puis c'est ça, je dîne à la maison, hein, je fais quelques pas, je suis rendu. Ah, ben c'est merveilleux, hein. Ouais.
Tu es ici aujourd'hui parce que justement, la ville de la municipalité de Saint-Julien, vous avez lancé il y a quelque temps ce qu'on appelle une campagne Vivre au sommet des Appalaches. Oui. Je trouve le nom de la campagne très belle, très beau le nom. Et j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi vous appelez ça comme ça. Moi, je le sais, là, mais... Oui. Bien, on appelle ça comme ça parce que dans la chaîne de montagnes des Appalaches, Saint-Julien, et c'est un village qui s'est construit vraiment au sommet d'une de ces montagnes-là. Donc, on a un point de vue incroyable sur les environs. On a vraiment l'impression de trôner au sommet, puis on a de l'horizon. Moi, dans ma cour, quand je sors de la maison, j'ai les montagnes à perte de vue. Tu sais, c'est... Donc, on a de l'espace, on respire en masse. Fait que c'est quand on jasait des thèmes, tu sais, de qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme thème porteur pour notre campagne, ben il y a un conseiller qui dit « Vivre au sommet des Appalaches », il me semble que ça serait bien représentatif, puis tout le monde est tombé d'accord. Ben, c'est la ville, la corporation municipale la plus élevée en termes de hauteur, là, de hauteur habitée. Oui, de hauteur habitée, non seulement dans la région de Thetford, là, ou en tout cas sur le territoire de la MRC des Appalaches, mais dans la province, c'est aussi une des corporations les plus élevées aussi. Hein? Une des plus élevées, mais ce n'est pas la plus élevée. Ce n'est pas nécessairement la deuxième plus élevée non plus, mais dans les cinq premières, ça. Vous êtes dans le top 5. Le top 5, ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Pour la région ici, évidemment, c'est les habitations les plus élevées. Oui. Mais d'où vient l'idée de partir un tel concours, une telle campagne, là? Une telle campagne, ben, c'est que... le conseil municipal voulait réfléchir à comment on pourrait se développer Saint-Julien, comment on pourrait redynamiser le milieu. Réfléchissait aussi à la promotion qu'il voulait faire du village. Il voulait attirer des nouvelles familles, des nouveaux résidents. Puis il se disait par quel bout on prend ça. Donc l'idée de faire une campagne, ça a été d'abord de dire ben, on va y réfléchir un peu, puis on va interpeller aussi la population par rapport à ça. Puis, au printemps, juste avant qu'on confine, on a réussi à se rassembler tout le monde ensemble, juste avant le... Je pense que c'était le 13 mars, si je ne me trompe pas. Bon, mais le 13 mars, c'est le début du confinement. Ben, c'est ça. C'est juste avant, là. Puis après ça, bon, il fallait tout le monde rester chez soi. Donc, on s'est réunis pour un lac à l'épaule au village. Ouais. Dans le fond, une réflexion large là, sur ça, c'est quoi l'avenir du village, comment qu'on se voit dans 5 ans, tout ça, avec nos forces, nos défis, nos enjeux, tout ça. Donc, il y avait le conseil qui était là, les officiers municipaux, mais il y avait des citoyens aussi. On a invité des représentants de chaque organisme qui s'implique à Saint-Julien. Fait qu'il y avait des fermières, il y avait des gens de la bibliothèque, de la société historique, donc toutes les différentes organisations, même le conseil de gestion là, pour le diocèse était représenté. On avait interpellé aussi des acteurs de développement de la région. La MRC était là. La SADC aussi. La SDE. C'était la MRC. L'Agence de développement territorial était là pour la MRC. Puis, il y en a un autre que j'oublie. Ah, le centre de santé était là aussi. Ah oui, OK. Donc, pour aussi nous stimuler dans nos échanges, puis nous lancer des pistes aussi. Puis, on était accompagnés par Visages régionaux, qui est un organisme en marketing territorial, qui est super, super intéressant. Puis qu'on a pu bénéficier de leurs services grâce au Fonds de développement des territoires de la MRC des Appalaches. Donc, on avait fait une demande à leur Fonds de développement des territoires, puis ils nous ont soutenus pour ce projet-là. Donc, on avait vraiment un bel accompagnement là, pour notre réflexion. Là. Et suite à cette réflexion-là, vous en êtes rendu où, là? Oui, bien là, on a travaillé avec les résultats pendant un bout de temps. Le conseil a réfléchi aux résultats du rapport qui est sorti du lac à l'épaule, mais aussi on a mis en place un comité de citoyens. Un comité de développement avec des citoyens puis des élus pour continuer à réfléchir, proposer des idées, continuer à travailler tout ça. Puis là, où on est rendu aujourd'hui, c'est qu'on fait un concours, qu'on lance un concours pour que les gens nous disent un peu pourquoi ils aiment ça vivre à Saint-Julien, qu'on l'entende. C'est quoi qui fait leur fierté d'être là, leur... Qu'est-ce qui suscite leur sentiment d'appartenance, là? Donc, on veut qu'ils nous parlent de leur amour pour Saint-Julien, mais aussi les autres autour, dans les autres municipalités, s'il y a des gens qui connaissent Saint-Julien, qui connaissent des gens qui vivent à Saint-Julien ou qui envisagent un jour peut-être y déménager, bien, qu'ils nous disent qu'est-ce qui les interpelle dans ce village-là.
Au fond, on veut se faire chanter la pomme un peu, là. OK. Alors, c'est pas juste aux citoyens de Saint-Julien. Non. Moi, je pourrais écrire pour dire pourquoi que j'aime Saint-Julien. Exactement, okay. Oui. Correct. Oui. Mais là, le concours, il est lancé. Là, on est rendu dans la mi-novembre. Oui. Ça achève, là, hein? Oui, il reste à peu près 2 semaines. Ça ferme, le concours se termine le 29 novembre. Le 29 novembre. Oui. Alors, vous avez jusqu'au 29 novembre à minuit pour participer. Et de quelle façon je fonctionne, là? Moi, ça m'intéresse de participer. Est-ce que je dois aller sur un site? Ou comment je participe? Et est-ce qu'il faut que j'écrive un document de 30 pages? Non. Il y a deux ingrédients essentiels. Il faut aller sur Facebook et faire une publication dans laquelle vous dites pourquoi vous aimez Saint-Julien. Okay. Ça, c'est le premier ingrédient. Puis le deuxième, il faut y ajouter le mot-clic qui va certainement apparaître en bas de l'écran. Là. Le mot-clic qui est le petit symbole dièse, là, oui. Avec « vivre au sommet des Appalaches », tout collé comme si c'était un grand mot. Ça va nous permettre de ne pas vous échapper dans le tirage, justement. On va savoir que vous avez participé grâce à l'utilisation de ce mot-là. Ah bon, OK. Alors, ouais. J'imagine que Luc va se faire un plaisir de le mettre. Là. Oui. Et là, il faut que j'y aille sur Facebook, puis je demande Saint-Julien. Ah, même pas. Vous faites une publication sur votre propre profil. Ah! Grâce au mot-clic, ça va venir s'insérer dans la automatiquement, discussion. Automatiquement, oui. OK. Alors, moi, j'écris sur mon profil, et puis je mets ça sur mon mur. Oui. Parce que j'ai fait le dièse vivre au sommet des Appalaches. Exactement. Ça va s'en aller directement chez vous. Exactement. Mais est-ce qu'il faut que ça soit long ou... C'est pas obligé d'être long. Okay. Et ça peut être un texte, ça peut être un poème. On invite les gens à la créativité. S'ils veulent mettre une photo d'une fois qu'ils sont passés par là ou un dessin ou une anecdote, tu sais, on peut se faire dire oui, c'est beau Saint-Julien, mais ça peut être très cocasse aussi, là. Ouais. Donc, on attend toutes sortes de commentaires. Là. Et là, dit concours, oui. Dit prix. Ben oui. C'est quoi les prix? C'est 5 prix de 500 $ oh. Qu'on fait tirer. C'est quand même des beaux prix. C'est assez généreux. Et la particularité, c'est qu'il faut venir les dépenser à Saint-Julien. Donc, c'est une forme de monnaie locale, entre guillemets, parce qu'on ne produira pas vraiment de monnaie pour l'occasion. Mais c'est vraiment comme un certificat cadeau qu'on dépense chez des artistes, artisans, entrepreneurs ou travailleurs autonomes de Saint-Julien. Ah bon, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, ben ça va permettre de les découvrir aussi. Oui. Bon, alors le concours, on le dit, là, se termine le 29. Oui. Dans quelques jours. Oui. Et par la suite, vous faites quoi, là? Ben, par la suite... Mais vous faites quoi en même temps? Là, tu me disais, oui. On n'attend pas les bras croisés, là, non, on c'est fait ça. D'autres choses. Là. En parallèle, justement... On parle d'un bottin. Oui, on fait un bottin des ressources pour que les gens sachent où ils peuvent aller dépenser ces sous-là. Parce que on veut que ça soit facile de trouver qu'est-ce qu'on peut se procurer à Saint-Julien en termes de biens, en termes de services. Mais aussi, on veut encourager tous nos entrepreneurs locaux. Dans la tournée Nos couleurs unifiées, la SADC avait participé à Saint-Julien à la rencontre et avait présenté un résultat, une statistique qui disait à quel point qu'on avait beaucoup d'entrepreneurs, qu'on avait beaucoup d'entreprises à Saint-Julien, puis que c'était un peu un signe distinctif. Fait qu'on, le conseil s'est dit que ce serait intéressant qu'on les encourage, puis aussi qu'on réfléchisse à comment on peut les soutenir dans le futur, puis aussi en attirer d'autres peut-être pour répondre à des besoins qu'on a dans la communauté. Fait que ce bottin des ressources-là, c'est une première étape là, qui devrait être produit à peu près en même temps que la fin du concours là, pour que, qu'on puisse justement montrer aux gens où ils peuvent aller dépenser les sous. Là. OK. Il nous reste moins de 3 minutes. Okay. Tu voulais me parler aussi d'une consultation publique. Oui, ben justement, au moment où on se parle, on a une consultation publique qui est en cours. Ça, c'est pour les gens de Saint-Julien, par contre. Mais pour justement dire, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce qui nous manque à Saint-Julien pour que la vie soit bien, là, qui, en termes de commerce, en termes de services? Si on voulait faire une entreprise de séduction de quelqu'un qui pourrait venir s'établir à Saint-Julien, ben ça serait quoi qu'on voudrait faire? Ou si on veut enlever des obstacles au village pour que quelque chose pousse en termes de biens ou de services, ça serait quoi? Ben, on est en train de faire une consultation là-dessus, justement pour identifier là, c'est quoi qui nous manque là, pour que tout le monde soit Donc, si comblé. Je comprends bien, vous cherchez des incitatifs pour
justement les gens qui à demeurer là oui. et d'autres à venir s'établir. Aussi, c'est ça. Ce qu'on couvrira pas en termes de services, ben, qui pourrait venir le faire chez nous puis qui viendrait s'installer, qui serait bien, puis qui nous rendrait un service en même temps parce qu'il viendrait répondre à un besoin qu'on a. Là, ouais. Fait que c'est vraiment les deux, là. Les gens qu'on a déjà sur place puis les autres qu'on voudrait attirer. Donc, ça, c'est les actions dont tu peux me parler, parce que tu me dis qu'il y avait d'autres choses à venir, mais que... Ben oui, ben ça va être l'année prochaine, il va falloir qu'on se reparle. Ah ben, mais c'est tous nos projets de l'automne, tout de suite, si on Martin. Veut. Est-ce que la pandémie, ça vous a bousculé un petit peu? Tu dis que vous avez réussi à faire l'acte à l'épaule, oui. juste avant le confinement, là? Ben oui, c'est ça, ça nous bouscule. Comme je parlais tantôt du comité de développement, on ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait, là. Puis à Saint-Julien... avec Zoom, dépendant où on vit à Saint-Julien, l'Internet, c'est pas toujours facile. Fait que oui, ça nous impacte. Là, ça doit être un élément qui revient souvent, le oui. service d'Internet oui. à Saint-Julien, qui est, dépendamment des secteurs, un peu problématique. Oui, tout à on fait. A une amie en commun, nous, oui. qui reste à Saint-Julien et qui tonne. Oui, effectivement. C'est le cas de le dire. Oui, hein? C'est un dossier pour lequel on a fait justement des représentations, puis il faut qu'on continue d'en faire, là, parce qu'il est prioritaire. Puis c'est anormal que dans la province de Québec, il y ait des secteurs qui soient mal desservis. C'est... Oui. Alors, vous autres, vous êtes victimes nous, de ça on à est victimes Saint-Julien. De ça à Saint-Julien. En partie, ça dépend des secteurs, mais oui effectivement, ouais, c'est un dossier important. Ben, Martin, merci beaucoup. Fait plaisir. Je vous invite là, à participer au concours. Alors, vous écrivez un beau petit mot. Pourquoi ça serait intéressant de vivre à Saint-Julien ou d'aller vivre à Saint-Julien? Et vous l'envoyez, je ne sais pas si Luc l'a mis, là, mais c'est vivre... attends un peu, il faut que je le dise comme ça. Vivre au sommet des Appalaches. C'est ça. Avec le petit carré avant le dièse. Hein? Oui, le dièse, là. Et oui. avec ça, ça va se rendre chez vous. Oui. Et les gens sont susceptibles de gagner un prix. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Martin. Merci, Pierre. À la semaine prochaine.